Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure où attendez-nous. Quand j'ai ensemble avec vous Centre de recherche et d'analyse géopolitique, nous ne pas rentrer dans le fond, nous ne pas rentrer, rentrer dans la forme, nous allons faire un aperçu, un bref aperçu, un survol, tout simplement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Eva Kaili, c'est un eurodéputé dans le Parlement européen. Mais juste avant, ils sont grec. C'est là qu'ils prennent naissance. Ils étaient une ancienne présentatrice télévision en Grèce. Depuis 2014, il fait partie du Parlement européen comme eurodéputé. Et en 2022, elle est devenue vice-présidente. Elle est âgée de 44 ans. Vendredi, en flagrant délit, le parquet belge, soulignez ça pour mon capitaine, parquet belge, ce n'est pas une autre organisation, dans le pays côté la justice indépendante. C'est parquet belge, côté commissaire du gouvernement ou bien le procureur de la République. Je suis procureur de la République, je suis un mandat. Je ne parle pas à personne. Entre parenthèses. Maintenant, j'ai ouvert une enquête pour contre Eva, pour appartenance li à organisation criminelle. Ça nous est le babola quand nous ne doit pas nous association de malfaiteurs. Organisation criminelle. Ok, parce que doit avoir évolué contre nous en lui-même il y a très longtemps. Nous avons aperçu. Blanchiment d'argent et corruption. Trois éléments. Blanchiment d'argent, corruption, organisation, la bande criminelle. Ça nous relève pas Bola Kaino, association de malfaiteurs. Parce qu'il a ouvert enquête ça. Et il a arrêté Eva Kaili en flagrant délit. Avec 600 000 euros pour certains médias, il a été fait prendre là. Mais il y a des billets de 1 million et demi. Héros nan men. Et en qui ça gagne billet yo, en petit yas, en 10 dollars, en 20 euros et en 50 euros, 10 euros, 20 euros et 50 euros. C'est et qu'on ça gagne jusqu'à ce qu'il gagne 1 million et demi nan men. Héros nan ou valise yo joigne à sa mavel. Pour certaines, ou encore pour d'autres journalistes. Ok, il dit c'est 600 000. En d'autres termes, il varie de 600 000 à 1 million et demi euros. En billet de 10 euros, en billet de 20 euros et en billet de 50 euros. Ça, c'est une méthode d'ilet. Méthode électorale. Les gens qui parlent dans l'élection, il y a l'an BRH, ils ont changé en l'argent neuf, billet de 5 dollars, de 25 gouttes en Haïti, 25 gouttes. 50 gouttes, 100 gouttes, 250 gouttes. Laissez-moi nous pour qu'on gagne 1000 gouttes. Et billet de 500 gouttes, ça, dernier gros billet à vous mettre la part. D'où, vous venez gagner un billet, vous avez gagné un goutte, un lot en goutte 9, un lot en 25 gouttes, un lot en 50 gouttes, ok, en 250 gouttes, un lot en 50 gouttes. Et puis, il y a un et pas oublier, il y a 4 dollars autour, il y a un lot en 4 dollars. D'où, il y a pas son côté, il y a un bail de temps en temps, de temps en temps. Ça, c'est méthode électoraliste. Les billets divisés en plus petites particules pour capable bailler de jour en jour. Mais c'est comme ça, monsieur Ophel, et il joint aux environs le 1 million et demi euros, non mais Eva Kaili avec billets de 10 euros, 20 euros et 50 euros. Dans la valise comme ça. C'est une méthode électoraliste en Haïti, pays tiers mondiaux. Ça m'a parlé de en Haïti parce que je vis ça. Et puis c'est une méthode dealer. On a fait deal drogue dans l'autre pays et comme des trafiquants d'État. Je n'y avais tout comme ça. Et comme il y a humanité, mais ils ont obligé d'arrêter parce que c'est un flagrant délit. Et ils ont arrêté
enquête là les inculpés pour trois chefs d'accusation organisation de bande criminelle appartenance à organisation de bande criminelle ça nous relie là une association de malfaiteurs pour corruption blanchiment d'argent suivez mes regards rien de nouveau sous le soleil et qui joue ça passait depuis vendredi 9 décembre qui a fait rouler sur les réseaux sociaux. Rien de nouveau sous le soleil. Suivez mes regards. Merci.